Ayant quitté Dinan, voir la vidéo précédente, j'ai vu une pancarte qui indique montrer la France à quelques kilomètres. Donc j'ai voulu m'y diriger pour récupérer un peu de data internet qui avait été fortement réduit depuis mon entrée en Belgique il y a quelques temps, ce afin de voir un peu les actualités en France depuis mon départ. Je viens donc d'arriver dans cette ville de Givet, directement, sans le faire exprès, par l'air de camping-car, qui me paraît complète. Je ne m'y suis donc même pas arrêté, contrairement à mon habitude, étant donné que 200 mètres plus loin, à peine, il y a ce parking où il n'y a personne. Je suis également face à la Meuse, où je vais pouvoir m'arrêter d'ailleurs et stationner. Ou alors on pourrait stationner en face, de l'autre côté, là, long de l'église, avec un fourgon discret, c'est possible. Thank you.
Nouveau calcul. Givet, petit centre-ville, par la surface. L'hôtel de ville, beau bâtiment. Il y a un certain nombre de commerces. À deux pas de la Meuse. Là où j'ai dormi cette nuit. Maintenant, on va aller chercher de l'eau. Flandre belge, ça n'a pas été facile. J'en ai trouvé dans des stations-service sans personnel, où il y avait un robinet. Les vidanges, je les faisais dans des stations de lavage pour voitures, qui sont équipées pour la récupération des eaux usées.
stationnement de jour. Pied de l'église. À l'ombre l'après-midi. À Givet, les stationnements sont possibles, ayant parcouru la ville. Il y a notamment le parking à 30 mètres face à la Meuse. Il y a aussi une aire pour camping-car à 50 mètres. Terrain de boule. Avec un air de vidange et un pose de ravitaillement en eau. Payant 2 euros pour 100 litres, ce qui est correct. Mais utilisable avec. Une nutrie. Ce fut un très bon petit séjour à Givet.